et juste en face qui d'entrée. J'avais vu cette balle dehors, écoutez, elle est sur la ligne de fond de court et... Mauvais jugement de la part de Marc Rosset. Il ne se méfie pas. Et un ace. Eh bien écoutez, ça va très bien pour Pete Sampras. Premier passing de coup droit. Il est évident que Marc Rosset va tenter fond de court et devant. Bien, c'est partout. Et je s'en frasse, c'est extrêmement difficile à battre. Entre deux, Pete Sampras au service. Un ace. 30-0. Oh que c'est superbe! Quel toucher de balle chez l'Américain! Mais c'est Pete Sampras qui fait ce superbe point et qui mène 5-2 dans la première manche. Marc Rosset qui s'est mis en difficulté tout seul sur cet échange, il a tourné son revers mais il n'a pas assez appuyé son coup droit. C'est la raison pour laquelle Pete Sampras a pu facilement le déborder. C'est au service. 15-0, 15-0. Depuis le début de cette deuxième manche, il mène 4-1, 30-0. 40, 40. Pour l'Américain. 40-0, 40. C'est superbe. Sous la pression de Marc Rosset ici au filet. Encore une fois, le lob va permettre à l'Américain de retrouver ses chances et de terminer ce point sur ce pass. Voilà, il part à droite avant le coup droit de Marc Rosset. Marc Rosset va aller chercher en plongeant quasiment et passing en fond de court. Serve. Pour Pete Sampras. Voilà, il l'a quand même touché du bout de la raquette. Il est à 3 partout.
Quel retour! Quel retour, encore une fois. Servi. Et c'est une balle d'avantage pour Pete Sampras, attention. Et je Sampras, quel retour joue ce match. L'exemple illustré ici par ce retour de Sampras hors de portée du Suisse. Et ce retour. 40-0. Marc Rossé n'a pas dit son dernier mot. Regardez ici, la balle est longue, mais son retour malheureusement ne transperce pas suffisamment l'Américain qui le passe sur le service adverse. Elle est bonne! Pourtant il retourne bien, il a quasiment rarement aussi bien retourné que... Il y a l'Américain en fait, mais on n'a pas laissé l'occasion. Un deuxième service canon, service gagnant qui permet à Pete Sampras de battre Marc Rossé en trois manches. Première manche perdue par l'Américain ici, alors qu'il est tête de série numéro 1. Marc Rossé qui se sera très bien battu, mais il manque bien sûr un peu de fond de jeu au Suisse pour tenir tête à un Américain excellent aujourd'hui, qui s'impose donc en un peu moins d'une heure et demie.